le monde saint-déjant. Tout d'abord, c'est vraiment un grand déjeuner, donc un désir, je vais lever la main. La commune Pamisa, alors le village de Boris, bien sûr. Alors, le titre de la commune des saint-déjants, c'est le peuplement de la région. Bon, en fait, la période de la question est terminée.
particulier, mais il prend du lit qui existe à 100 litres à subsistance des glaces. Il prend ça des gars d'un régis sur des listes, des ordinaires, etc. Donc, au guide, dans toute la question, il faut que ça te dit, nous va légèrement, à travers la guerre nationale de l'Ukraine. Beaucoup de gens, en fait, se posent la question pourquoi le site est glissant de l'Ukraine. Tout simplement parce que les premières fouilles qu'on a envie dans les années 20, je vais montrer, ils se mettent en matérialité de mais qui est pour rectifier un peu la chose par rapport aux revendications et demandes légitimes des gens. Autrement dit, c'est ma race des paroles de l'Ukraine. Donc la porte qui est la même, mais on va voir ce qui est différent pour vous, parce que ce sera encore une fois que ça, ici. Voilà, donc la même idée, que ça passe, il fait une ville, plusieurs portes, la gâche à peu près, sur le versant sud-est. J'ai une grande bourbon, là je suis venu chez Gord, et j'ai un grand métis, ni qu'il soit dans le coin. À chaque fois, parce que les quartiers avec l'Andina, c'est des quartiers spéciaux, la chaîne est bien fermée. Bon, ça c'est la géologie. Les comptes d'Ina, pour moi, tout le monde, parce que ça n'est pas préhistorique. Mais, à chez vous, pour l'instant, on a acheté une famille. L'année dernière, des recherches, on a trouvé des indices vraiment, un des caches, des ancestres. Trois grands éléments. Mais en total, une dizaine. Ça veut dire qu'il y a du travail pour les archéologues dans la commune. Maintenant, la montagne de Vietnam, dans la montagne des glaces, il fait beaucoup de restaurants pour les enfants. Voilà, c'est un 6 mètres de large, c'est un genre de 2,5, 4 mètres de haut. Il a fait une bosse. Un petit découvert de la grotte de Kéné, comment on a commencé la recherche. En fait, c'est une grotte, elle est dans, déjà fruite de l'organisme, c'est des recherches de l'histoire, de l'archéologie. Et le premier qui a été fouillé, c'était l'ancien maire de Bourgvaux. C'était un administrateur général, ça en vient. D'ailleurs, le motif, je vais te donner une lettre, c'est une fruite de recherche à la grotte de Kéné. Il faut dire ça, ils ont pris une petite victoire, donc ils ont compris que c'est des animaux sauvages qui ont disparu. Ils ont donc ils avaient mis dans des caisses chiatriques avec une professeure française qui était française, professeure à Rambeau, c'est un peu l'autre. Et qui c'est une lettre cite. D'ailleurs, dans mon tête, la lettre est c'est comme une belle peau. Il a utilisé le papier de la commune. Voilà, j'ai découvert une grotte, la Guinée, etc. C'est sur Saint-Léon, la Guinée, la Chaussonne, etc. Le professeur Philippe a répondu, et c'est à base de lui, de Jouvenir Saint-Léon. Donc, c'est des espèces effectivement qui existent maintenant. C'est des violinocères, alors il y a des rosalines, etc. Mais il y a des bœufs sauvages. Donc, il a compris que c'est une grotte occupée du renouvellement. On m'a cru dans l'article tiens, dans les années avant les années 30, en 1925, Anila a décrit un peu les chiffres, comment il a fait les fourmis, etc. J'ai dû faire en détail, faire un peu de truc, la porte en refrain. Qui est à partir de l'article clinique en 2010, j'ai voulu reprendre les fouilles à la porte. Donc j'ai fait toute une convention. Surtout, avec l'article qui est en ligne, ils se sont posé des questions. Attends, c'est quoi le final de tout final? Certains animaux, au jour de final, des outils sur nos sauvages, pas mal de questions, finalement, auxquelles on nous a pas répondu plus tard, quelques années plus tard. Donc, en 2010, on a une première campagne de fouilles, déjà, pour développer le potentiel. Ça veut dire que ça vaut le coup de faire des recherches en là. En 2010, on a compris que c'est un site très très riche. La Z existe encore dans beaucoup d'orgies à déterrer, etc. Même parmi les déblés, c'est-à-dire les gens qui ont mis dans les années 20, vous faites de la force à voyage, vous allez là. Mais il y a un site qui est la paix, vous faites de la force à voyage, vous allez là. Et ça fait partie des réponses
Aux questions déclassées. Je crois que la finalité de la c'est la souveraineté tout simplement. Parce que les portiers, les recherches de sang, c'est des ouvriers, quand c'est une cabine, certainement des villageois dans les environnements. Et oui, dans ce qui c'est normal, mais sinon, ce ne sont pas des archéologues. Donc il y a des objets naturels, ou c'est un la famille, il y a des trucs, ça implique ça un outil, parce que c'est des objets très petits, je t'en prie. Donc, à partir de 2010, on s'est dit qu'il faut prendre les fruits de vie, il faut développer un projet important. Ça a nécessité de faire une liste, parce que on se verra, ça va être appliqué tout le temps, acheminer du matériel. Le Hamas a un programme, parce qu'il faut sécuriser, sinon tu ne peux pas travailler, ça devait sereinement. Une question de l'électricité, parce que la femme, l'électricité, en général, c'est un peu trop. Au début, on a réussi à interroger dans une école primaire au village de Boisin, parce qu'il est connu très bien depuis des années, ça va être là, donc on s'est installé là. On a même créé un laboratoire. Dans un laboratoire de site, et là on traite des objets pratiquement dès la fin du site, on les traite sur place. C'est-à-dire qu'ils sont numérotés, classés, etc. Voilà, au guide, c'est le site de la ferme qui est situé. Donc, ils vont traiter de la site en prenant la photo. Donc, la ferme a installé beaucoup de projecteurs. Au guide, c'est le plan d'Aigles, le plan, c'est-à-dire horizontal, dans lequel bon, il fallait, pour les recherches archéologiques, c'est très important de bien compartimenter l'espace, localiser les différents endroits, parce que plus tard, quand on découvre un objet, il faut savoir exactement les visites, enfin, le même, le secteur, même les coordonnées sont à peu près. On a à peu près dans la distribution de la maison de l'année, on a fait des défauts. Au Guinness, avec la photo là, c'est une fête du canyon. Le canyon, on a daté, et ça, c'est qu'il en a. Il y a une crème qui est là, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va y revenir, il va voir, mais il y a une chaîne qui est là, vous allez faire ça. Donc, c'est d'ailleurs, c'est très très grave aussi. De trouver des ce qu'on appelle des foyers qui sont intacts. Donc ça veut dire que le terrain n'a pas été beaucoup perturbé longtemps. Voilà, enfin, c'est juste une idée comment on fait de recherche en archéologie, en préhistoire. Et là, c'est un peu que ce sont les sédiments, c'est des reflets de la grotte. Ils s'accumulent avec le temps, ils forment ce qu'on appelle des différentes couches, des couches stratigraphiques. D'ailleurs, pour des raisons climatiques, etc., elles sont généralement des couleurs différentes. Et tant mieux que c'est comme ça qu'on arrive à savoir à distinguer les couches. Mais pas très bien, la couche est une guerre ou pas, ça se voit après. C'est gris, etc., bleu, il y a différentes couleurs. Même la fenêtre, on se rend compte que des endroits qui sont noirs, puis là, c'est des endroits qui prennent des jets ici, des charbons, etc. D'ailleurs, c'est des charbons inclinés qui nous permettent de dater avec la méthode de 1994. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de faire une coupe stratigraphique avec les pour voir les différentes occupations. Et on va prélever des charbons, qui est une académie, on a fait ils vont être datés au carbone 14 pour savoir l'âge de chaque couche. Quand on parle de faire des objets dans une couche, on sait qu'ils sont l'âge de la couche mère. En fait, on se date à chaque objet, mais on se date une couche non des affaires. La couche mère de l'automne de l'automne, c'est pratiquement tout là. Juste d'Aos, c'est 1500 ans déjà. Marceau de l'automne de l'automne de l'automne, c'est environ 7 millions. Donc les objets qui servent dans les couches, couillons qui sont imaginés. Bon, parmi les recherches de l'âme, on ne s'intéresse pas seulement aux objets qui servent dans la grotte, mais on essaie de reconstituer même le climat, qui est le climat zéro. Alors, il y a différentes méthodes, mais il y a une grotte, la meilleure méthode
reconstituer le climat, c'est d'étudier où les caractéristiques stalagmites et stalactites se forment dans les grottes. Mais les formes, en fait, chaque année, c'est une couche de calcaire qui se forme. On va avec le temps, il se forme de glace. D'ailleurs, les gens ont assez de glace, mais c'est pas vrai. C'est du calcaire, c'est des couches de calcaire. Donc, les petites salines, c'est stalactites. Les petites sorbonnes, c'est stalactites. Un petit peu de smélites. Smélites, ça forme ce qu'on appelle des piliers stalactites. Alors, l'intérêt des stalactites, par exemple, c'est que chaque couche, quand elle se forme, il y a un phénomène physico-chimique qui permet de reconstituer la température et l'humidité de l'époque. C'est-à-dire, je crois que c'est une archive climatique. Et il y a des scientifiques qui disent non, mais la phase des calottes glaciaires pour reconstituer le climat. Parce que dans les différentes couches de glace, en fait, on reconstitue la température de la planète, etc. La même chose dans les stalagmites. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que je sais que c'est un peu compliqué pour vous quand même acheter la physique. Mais c'est ça. Donc, les stalagmites, c'est des archives climatiques. Et chaque couche se forme pour une année et les couches éliminées, on peut les dater. Donc, chaque stalagmite va commencer à se former une époque. Et donc, avec, en combinant tout ça, on peut avoir le climat. Par exemple, la stalagmite va avec en même temps le climat depuis 6000 ans, quasiment jusqu'à l'époque. Donc, c'est des variations climatiques. On sait que le climat a changé énormément. Par exemple, nous avons l'époque des choses à l'époque. C'est des périodes d'un assez marqué humide, un dilemme à la face. C'est logique, parce que le climat romain, il est attaché à l'Australie, parce que c'est un humain, dans un endroit vert, tout ça, parce que c'est un humain, c'est des pasteurs. Et le plus intéressant, même, c'est qu'à un moment donné, il y a 4000 ans, il y a eu une crise d'altitude. Donc c'est moi-même, il y a dans le GRPN, parce que c'est bien quand même. D'ailleurs, c'est à cette période-là que les hommes historiques ont quitté la grande ligne pour arrêter le climat, certainement les nains de l'heure. Et ça, ça répond effectivement, c'est le climat, c'est lui qui, en fait, favorise ou pas l'installation des hommes dans une région. Alors, parmi les objets de cette affaire, ça veut dire ça, mais un aéroport des Égyptiens. Donc, au lycée des noms des médecins, etc. Ça fait de l'aéroport des Égyptiens sauvages qui n'existent plus maintenant. En fait, il y a l'éléphant, les rhinocéros, les antilopes, des bœufs sauvages, le sanglier, les mazalites, etc. Ça fait de l'aéroport chimique. Ça, l'aéroport chimique. Voilà. Mais, de chez Nitzavata, ça fait rien. Ça fait des sangs au maïs. En fait, c'est vraiment c'est des spécialistes sur le maïs. Et c'est tout à fait logique. Parce que les gagnants, comme vous l'avez vu, la plupart des gens sur le maïs. Par contre, quand on parle de la jette, de la rouge, des grands planètes, on sort le bien. Voilà, donc c'est la technique de l'autre. C'est-à-dire, donc les gagnants sur le maïs. Et surtout, on a essayé de comprendre le Guachou. C'est un bien naïf. En fait, Madame de Fers d'Arc-la-Grande, il y a des spécialistes qui expliquent des images au maïsien. À chaque fois, il y a un choix, un port, etc. Ils expliquent des images de Choufa, de Houlin, de Tabar, etc. En fait, de chez nous, on a compris que le maïsien est avec une soirée de Choufa. نقدنا أرض الترجيح كي وجه خطر سحني فيها دون تربينا نعيز أجيب بكسون من بلس إلى فردوشون الترجيح فيها أجيب خلجة تربيه مستعبارات التربيه نجي نعزف فيها بكسون كلها ولد ديت الزبر كلها سيبتسيج فيها اللي فهمان دي فرماج Voilà, donc, sur le plan de l'économique, où il y a des partenaires, des flammes, c'est-à-dire des missiles, ça revient surtout un maïs. C'est ça qu'il faut retenir. Mais, même à l'époque, même sur la période, dans cette date, c'est sorti là. Donc, sorti des animaux sauvages de l'époque, sorti des sangliers, sorti des antilopes, etc. D'ailleurs, ce serait la première scène pour fabriquer des outils dans l'époque.
On a fait des analyses dans les protéines, le FRA. On a fait des analyses chimiques. On voit que dans certaines protéines, c'est unifiant. C'est-à-dire, ça prouve effectivement ce que nous avons vu, dans les cristaux de l'aliment, ça a été confirmé par des analyses chimiques. Donc les protéines gilgamines, enfin, la lorté qui est fait groupeux, existent à face les protéines qui ont été utilisées pour le cuivre du blé. C'est tellement difficile. Et une fois que dans une protéine animale, ils ont conservé du miel. Donc même à l'époque, donc c'est un intéressant, certainement, mais si même un riche partie de la nature, un petit chien, etc. D'ailleurs, sur la société de Ramana Bouhaïsa, mais c'est un exemple des dettes terracines sauvages. D'après le Ramana et Kéguinien, c'est un principe régulièrement sur la montagne haïtique, mais discrètement. C'est un secret, vous savez, très bien. Après, c'est un petit sauvage, apparemment, il était très cher. Pour le faire, pour percer. Et les outils, c'est des personnes.
Il y a des outils américains. Bon, il y a des outils. Bon,